La prière, le mot de bienvenue, tout cela était arrosé par les animations culturelles avant l'entrée en scène de la retrouvaille des ressortissants de la communauté béninoise des départements de Pointe-Noire et du Cuilo dans la grande salle du mess mix de garnison. Ensemble avec les dirigeants de la société de téléphonie mobile et un certain nombre de ressortissants, les propos des uns et des autres ont culminé autour du partenariat gagnant-gagnant qui voyait le jour par la signature d'un partenariat où les contours sont précisés par Raji Aziz Aboudou, président de la communauté béninoise. Nous sommes fiers de signer un accord de partenariat avec la société MTN Congo. L'avantage individuel, quand tu es actif dans la communauté béninoise, de 20h à 6h du matin, tu peux appeler gratuitement pendant 2h du temps. Et dès que tu rentres automatiquement dans l'association, pendant 3 jours dans la communauté, pendant 3 jours, tu as dit de 20h à 6h du matin, tu as des bonus 10 minutes gratuits. Donc, et en plus, la communauté veut assister, MTN Congo veut assister la communauté dans toutes ses activités culturelles, artistiques et religieuses aussi. Sur le sens de l'exécution culturelle des ensembles traditionnels ayant rehaussé leur talent, Rachidi Ouneno explique. Les rites culturels que nous avons autour de ce partenariat, nous avons d'une part les pêcheurs qui sont venus ici en 1963 par les pirogues. Ils sont passés par la mer pour venir ici et ils se sont installés à la mer communément appelée Songolo. Et eux, leur rite, il y a le rite traditionnel qu'on appelle Agbadja, il y a le rite traditionnel qu'on appelle Tchekoumé. Et les rites traditionnels, beaucoup de rites traditionnels bénins. Ça veut dire que tu n'as plus besoin du tourisme pour connaître tout ça là. Tu n'as plus besoin d'aller au Bénin, même étant ici à Pointe-Noire, tu peux connaître ça parce que la communauté béninoise est vastement représentée ici. Chacun des partenaires obtiendra des avantages autour de cette retrouvaille socioculturelle pour le premier et le deuxième pour rehausser son rayonnement sur l'échiquier continental à travers ce réseau installé au Congo-Brazzaville.